Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Deuxième en Folie. On se retrouve aujourd'hui pour la question numéro 36 du Diamond Painting Squad Quiz. Je suis la dernière, on est vendredi, à vous répondre à la question numéro 36. Et là, pour vous, on est vendredi, mais moi, on est mercredi de la semaine précédente. Donc, je n'ai aucune idée de ce que les filles ont répondu, malgré que je me doute un peu parce que je les connais. Donc, la question de la semaine, c'était qu'est-ce que vous aimeriez que soit inclus dans tous les kits de Diamond Painting que vous recevez, que vous commandez. Donc, ce que j'aimerais, moi, c'est que dans chacun des kits, on ait un washi tape assorti à la toile. Ça serait vraiment cool. Sinon, c'est pas mal ça, en fait. Un beau washi tape qui fit avec la toile, c'est sûr. T'sais, le reste, pas grave. Même s'il n'y a pas de washi tape, j'en ai une petite quantité là sur la tablette. Je dis petite quantité parce que moi, j'en ai quand même beaucoup là sur ma tablette, mais j'ai des amis qui en ont beaucoup plus que moi. Sandra et Sonia et Vanessa, hein? ma belle gang. Probablement que Stéphane nous en a pas mal. Donc, j'ai une nez qui me pique, c'est fatigant. Attends un peu. C'est bon, c'est fini. Donc, un washi tape qui est assorti à la toile, ça serait vraiment cool. Pour le reste, tu sais ça, les plateaux, les crayons, j'en ai à la maison, j'ai pas besoin. Il serait même pas obligé. Ah ouais, c'est vrai que c'est. Je m'en dire, il serait pas obligé de le mettre ou de le mettre en option. Quand tu commandes, il faut que tu coches si tu veux un kit ou pas. Ça serait cool. Hey, ça serait vraiment cool. Vraiment. Mais tu sais, ils feront jamais ça, là. Ouais. Oui. Et pourquoi j'ai pas pensé à ça? Même si je pense, ça sert à rien. J'ai pas de compagnie de Diamond Painting, là. Mais oui, ça devrait être ça. Cochez si vous voulez avoir un kit ou pas. Ce serait cœur. Imaginez-vous, là, le paquet de plateaux verts qu'on jette, ben, moi, je les jette pas, là, je les garde, puis je les donne aux écoles de mes filles, là. Ben, à l'école de mes filles. Mais sinon, puis les petits crayons roses, ben, je les donne à Stéphanie. Ouais. De Diamond Steph. Parce qu'elle fait des beaux crayons en pâte fumo, que moi, j'ai absolument aucun talent pour faire ça. Bref. Hey, imagine, ça fait deux semaines que j'ai plus la COVID, puis j'ai encore un petit peu de tout fatiguant, ça. Hein? Donc, c'est ça. On est rendu vendredi. Je suis pas certaine que de me répondre en dessous parce que je vais clairement avoir vos réponses sur la page du Diamond Painting Squad, mais comme de raison, je vais quand même vous le dire. Si vous utilisez le hashtag Diamond Painting Squad Quiz avec deux Z, vous êtes certain que nous, on va pouvoir voir vos réponses de... sur les réseaux sociaux. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour la question numéro 37. D'ailleurs, hey, on arrive à près de la fin, hein? Il va nous rester, après la 37, il va nous rester 15 questions, je pense. C'est ça? Déjà? 15 questions. Wow! Ça a été vite. Ça va vite, tabarouette! Fait que c'est ça. D'ailleurs, ce que j'allais vous dire, c'est que si jamais vous avez des questions, vous autres, là, je pense qu'il nous en manque 2-3. Fait que écrivez-les donc en commentaire. Peut-être que c'est des questions qu'on n'a pas pensées. Peut-être que c'est une des questions futures. Qui sait? Peut-être que votre question va se retrouver dans notre quiz. Ça serait le fun. Puis si on met votre question dans notre quiz, hein, les filles ne savent pas que je suis en train de vous dire ça, mais aussitôt que je termine la vidéo, je m'en vais leur dire que j'ai dit ça. Mais si votre question se retrouve dans notre quiz, on va vous nommer, ça c'est certain. Parce qu'on prendra pas le mérite, hein? Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez le Diamond Painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!